Écoutez attentivement ces deux conseils. On prend d'abord pour l'homme et après on prend pour la femme. J'attends vos réactions en commentaire. Écoutons. Écoutez très bien. Beaucoup d'hommes ont des problèmes parce que les femmes sont devenues rebelles et insoumises. Mais j'ai envie de répondre par cette question, à vous poser une question. Est-ce que vous, dans mes chers hommes, vous êtes donc prêts à respecter les règles pour avoir une femme soumise? Parce qu'effectivement, rien n'est gratuit sur cette terre. Non. Même pour manger, là, il faut travailler. C'est comme ça, tu ne peux pas être là. Tu es l'homme le plus chiche du monde. L'homme le plus trompeur, infidèle, radin. Tu vis avec une femme, même le jour de son anniversaire, tu as oublié. Même tes propres enfants, tu oublies leur date d'anniversaire. Tu es incapable un jour d'appeler ta femme comme ça le week-end, chérie. Allons un peu à Kribi, allons à la plage et tout et tout. Hein? La date d'anniversaire de ton époux, tu es incapable de lui faire un cadeau. Tu sais que avec ça, tu vas avoir une femme soumise. Ce que tu auras chez toi comme récompense, c'est la rébellion. Ça, je vous promets. Ça, il faut respecter les conditions, mon frère. Tu peux pas là, tu manques de respect à une femme. Tu la chaudifies, tu l'insultes, tu trompes, tu dors dehors, tu es chiche, radin. Hein? Elle est là, les ongles sont sales. Comment une femme va être soumise avec les ongles sales? Même sa garde-robe, tu ne peux pas dire que même une fois par an, que chérie, voilà peut-être un petit 1000 euros, ou peut-être voilà un petit 300 000, achète les petits trucs. Elle va être soumise avec quoi? Avec les habits sales, sales. Avec les habits, on est soumise avec les mêmes, les habits qu'on porte tout même jour, tous les jours, point chaque jour. Non, quand même, à un moment donné, il faut arrêter. Le pire, c'est que ce n'est pas que vous n'avez pas. Vous avez, mais vous préférez plutôt déposer l'énergie sur les Djombadior, donner l'argent aux Djombadior et vous négligez vos femmes. Non. La soumission, même que vous voyez, là, ça vient seul. Oh, grim du poupon, elle est obligée d'être soumise, mon frère. Une garde doit être si fière bien, elle aura même peur de te perdre. Elle va dire, il faut qu'elle soit soumise à mon chéri ici. Parce que si je le perds, je fais comment? Donc, c'est tout ça, il faut respecter les règles. Je dis que tout sur cette terre, c'est les règles. Voilà. Tu vas avoir une femme soumise, mets-toi en condition, virgule, pour vivre, pour avoir cette femme soumise là, point. Je répète, si tu veux avoir une femme soumise chez toi, virgule, tu dois remplir les conditions pour l'avoir. Point. Sinon, tu laisses. Voilà. Vous comprenez? Les gars, j'espère que vous avez bien compris les conseils. Notez bien cela et appliquez. Maintenant, on prend pour la femme. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ceci est un message à mon futur gars dans la chambre. Bébé, quand on fera l'amour, frappe-moi. J'ai les gouttes. Frappe-moi avec. Attache-moi. Serre-moi fort. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas mourir, mais je vais jouir. Bébé, même si il se passe quoi, même si on se dispute aujourd'hui à quelle heure, la nuit on forme d'abord avant de dormir. Bébé, même si je suis au travail, je t'envoie les nudes. Tu rentres du travail, tu viens me satisfaire. C'est comme ça. Mon bébé, tu dois aimer les parties à plusieurs. Si possible, même appelle ton ex, tu viens, on fait ça. Il n'y a pas de problème. Bébé, peu importe ce que ta mère dira à mon sujet, tu n'écouteras point. Oui. Tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras point du tout. Si tu m'aimes, reste avec moi. Si tu aimes ta mère, épouse ta mère. Mon bébé, tu n'auras pas de meilleure amie fille. Il n'y aura pas que voici ma bestie, voici, tu n'auras pas ce privilège. Mon bébé, quand tu vas vouloir me quitter, s'il te plaît, baise-moi pour la dernière fois, pour que je ne t'oublie pas, même si c'était comment, je ne vais pas oublier. Bébé, tu dois être un gars bassa. Tu dois être un gars Yaoundé, n'importe comment, tu dois être fort aux fesses. Tu dois savoir me framponner, me toucher n'importe où pour que ça sorte. Voilà. Bébé, sache que je te serai fidèle à cause du sexe. Je te serai fidèle. Ah, bébé. J'imagine les gars qui ne sont pas forts aux fesses. Les gars qui sont faibles aux fesses à l'heure-ci. Voilà comment ils regardent la vidéo aussi. En tout cas, j'attends vos réactions en commentaire, les gars. C'était juste un petit moment de divertissement, mais aussi avec quelques conseils qui peuvent nous aider. Merci de partager la vidéo. Pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa était un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguier, à 100 mètres de l'hôtel Manguier. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir
Plus d'informations. Ok. Population de Yaoundé, cher Benguiste, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arse Lourd. Kouaban Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublées avec cuisine douche et 5 chambres non meublées avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.